Bonjour à tous et bienvenue dans Fight Cube, l'émission qui voit s'affronter 32 créatures de Minecraft. Jusqu'au 9 septembre, découvrez 3 nouveaux combats chaque vendredi à 18h30. Le principe est simple, la créature qui gagne est qualifiée pour l'étape suivante et celle qui perd est éliminée de la compétition. Et à la fin, il ne restera qu'un. Ça c'est Koh-Lanta, hein. On s'en fout, nous ça marche pareil. Au commentaire, vous pourrez retrouver Thierry. Bonjour. Et Michel, moi-même. Voici la grille de la compétition. Et on passe tout de suite aux 3 prochains combats des 16e de finale, c'est parti! Le premier combat oppose l'évocateur aux zombies villageois. Zéro doute Michel, l'évocateur gagne. Écoutez Thierry, sur ce coup-là, je vous suis les yeux fermés. Ça va vite être plié. Et le combat commence, l'évocateur est déjà sur les côtes du zombie villageois. Regardez, il envoie ses veilles, c'est déjà terminé. Et en 3 coups, en 2 temps 3 mouvements, c'était fini. Il n'y a rien de dû à faire, bravo. On va tout de suite l'interroger au micro. Facile, juste facile. Et voilà, un seul mot a suffi. Il passe évidemment à la prochaine étape. Pour le deuxième combat, j'ai l'honneur d'accueillir le slime et le zoglin. Deux adversaires imposants, Michel. Oui, c'est vrai, mais espérons que le slime ne suive pas le même chemin que son cousin Germain, le magma cube. Et c'est parti, on va voir ce que vaut le slime, et il ne fait rien. Il ne joue pas. Il arrête de tout de suite de tout faire. Pourquoi il arrête? Et c'est bon, le zoglin. Le zoglin qui gagne sans difficulté et qui va devoir terminer ses pauvres slimes, ses pauvres bébés slimes. Écoutez, je pense que ces bébés slimes ne vont rien faire, donc autant terminer le combat tout de suite. Vraiment, bravo, rien à dire, le slime a été lâche. Est-ce que vous avez un mot à nous dire, Zoglin? D'accord, merci. Bon, je crois qu'il n'est pas très bavard, mais en tout cas, il a gagné et passe à la prochaine étape, c'est le plus important pour lui. Le dernier combat de cette journée oppose donc le Silverfish au zombie momifié. Désolé Michel, mais là je suis obligé de le dire. J'espère que le zombie momifié va faire la peau à cette vermine de Silverfish. Je dois vous avouer que je vous rejoins là-dessus Thierry, je déteste le Silverfish. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite car le combat commence. Et le zombie momifié fonce vers le Silverfish et il ne fait rien, le Silverfish ne fait rien, il est déjà mort. Il est déjà mort, il cherchait sûrement une stone pour se protéger et se lâche. Je déteste le Silverfish, et je suis très content que le zombie modifié ait gagné. On le rejoint en micro. Voilà des paroles qui font super plaisir à entendre, c'est très fair play, merci à vous. Et c'est la fin de l'émission pour aujourd'hui, on vous signale que mercredi prochain vous pourrez voter sur Instagram, Twitter et Discord pour parier qui seront les gagnants des 3 prochains combats des 16e de finale. Et on vous souhaite une bonne fin de semaine et à la semaine prochaine. Et que la force du Fight Cube soit avec vous.